Ça m'a inquiété au début en lisant, mais après, bon, y a la pollution autre part, et puis même chez nous, on est en campagne, donc ça peut arriver partout. Oui, c'est inquiétant, mais j'ai pas trop d'avis, quoi, pour le moment, non, c'est pas énormément, donc voilà. Depuis 20 ans que je vis à Prégnac, et c'est un peu la première fois que j'entends parler de ce genre de polémique, de problème. Et voilà, oui, on est un peu inquiet et on attend un peu des explications un peu plus claires. On peut penser que ça n'arrive pas comme ça. On peut penser que ça n'arrive pas comme ça. Donc il y a un certain nombre de cancers. Tous les jours, j'en apprends de nouveaux cas. Donc moi, ce que je souhaiterais à partir de ces nouveaux cas, c'est qu'on fasse vraiment une étude fiable. Depuis la nuit des temps, nous sulfatons, nous mettons du cuivre, du soufre dans les vignes, mon grand-père, etc. L'ont toujours fait. Il n'y avait pas plus de cancer autrefois qu'il n'y en a aujourd'hui. On a de moins en moins de molécules, c'est de plus en plus contrôlé. La très grande majorité des gens traitent raisonnablement et de façon optimale. Je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt, aussi bien d'ailleurs pour les résidents que pour les gestionnaires, de ne pas aller plus loin et de ne pas répondre. Il n'y a pas une volonté de répondre réellement à la question parce que les outils existent aujourd'hui de façon tout à fait reconnue. En faisant des mesures urinaires, on peut très bien mesurer s'ils sont plus exposés que les autres.